One Love. Nous en sommes à 6 mois de gilets jaunes. Où en sommes-nous? Mai 68 a duré 6 mois et c'était actif tous les jours. Combien de samedis faut-il pour faire 6 mois pleins afin d'être à égalité? À cette allure, ça risque de prendre des années. Les avons-nous? Je crois que non. L'euphorie, la détermination et l'espoir dans des coups d'une bonne fois pour toutes avec ce système qui nous opprime, nous oppresse, nous affame, nous pollue et nous empoisonne a fait place à la peur et à la résignation chez pas mal de gilets jaunes. En effet, il était question de faire dégager Macron et son gouvernement. Aucune manif ni action n'était déclarée. La galère a rassemblé les Français de toute classe sociale, couleur de peau, âge, sexe ou origine. Le mouvement était censé être apolitique, apartiste, non syndicaliste. Le seul mot d'ordre, le RIC, en toute matière, la démocratie directe par le peuple, pour le peuple. Certains ont perdu des yeux, d'autres des mains, certains la vie. Sans compter ceux qui sont en prison, à la rue ou sous contrôle judiciaire, comme je le suis moi-même, pour avoir diffusé et avoir filmé quelques interviews et un feu devant l'hôtel des impôts de Nîmes lorsque la police et les pompiers étaient sur place. Nous avons tant perdu pour finir par voter, comme si tout ça n'avait jamais eu lieu, alors que plus personne ne se sentait concerné par les élites. Maintenant j'entendais « Si Macron répond à nos attentes, on rentre chez nous et on reprend nos vies normales. » Vous croyez voter? Comme si ça allait changer quoi que ce soit. Sans connaître les tenants et les aboutissants du scrutin. En ce qui concerne l'Europe, vous allez voter pour des députés qui vont nommer un commissaire qui pondra des directives européennes avec ses collègues qu'ils feront appliquer par les députés que vous avez élus. Si personne n'achète, rien ne se vend, disait Coluche. Et moi je dis, si personne ne vote, personne n'est élu. Les vraies solutions, le boycott et la désobéissance. Je suis un être humain souverain. Je ne reconnais ni ce système, ni ce gouvernement, et encore moins l'Europe. Je ne participerai pas à son élaboration. Pas de 5ème République, mais une première démocratie. Sommes-nous le pays des droits de l'homme ou celui des riches industriels et banquiers? Ils se sont arrangés pour que nous ne sachions plus nous exprimer, ni nous défendre, que nous ne sachions plus cuisiner, ni bricoler, ni cultiver, ni construire sa maison, ni fabriquer ses vêtements. Tout ça, on doit l'acheter. Ne nous trompons pas d'ennemis, ni de combats. Arrêtons de nous en prendre aux marionnettes plutôt qu'aux marionnettistes. À méditer. One Love.